Nous sommes venus donc avec le camion équipé et le camion avec la mini-pelle pour les recherches de fuite et les terrassements. Donc là, nous allons procéder à une recherche de fuite électro-acoustique au moyen donc d'azote dans cette bouteille. Voilà. Que l'on envoie sous pression à l'intérieur des tuyaux. Et ensuite, avec un détecteur d'azote au-dessus du sol, nous pourrons localiser à 50 cm près une fuite enterrée sur un réseau à peu près...